Bonjour, bonjour, ici Stéphane. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ma réaction entre le match Stade Rennais Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Voilà, je suis content. Après leur défaite face à Liverpool, Paris reprend la victoire face au Stade Rennais. Notre sixième victoire en Ligue 1 en 6 journées. C'est bon, c'est bon. Mais dans le match là, je suis un peu déçu quand même des joueurs quand même de la première mi-temps. Un certain voilà, des certains joueurs que j'ai pas aimé. L'Espagnol Juan Mernal, je trouve, ça va en défense, c'est complètement zéro. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont vendu Yuri Berchiche. Je sais, c'est pour le faire performer. Mais pour moi, Yuri Berchiche est meilleur que Bernat, largement, largement, largement. Je sais, c'est son quatrième match, je crois. Mais je suis un peu déçu du joueur là, avec une première mi-temps. Voilà. Première, moi, je vous raconte un peu l'histoire, l'histoire du match. À la 10e minute, Rennes ouvre le score grâce à un but de son camp de Adrien Rabiot sur un coup franc. Mais le but après sur un. Il a eu un but refusé aussi du Paris Saint-Germain, rien à dire. Il y a but refusé de Cavani. Après, à la 45e minute, à la toute dernière minute de la première période, Angel Di Maria égalise sur une super reprise de volée à Rakitić qui bat Kubek, le gardien de Rennes. Et voilà, à partout à la mi-temps. La deuxième mi-temps, rien à voir de la deuxième période. Il y a eu une belle occasion, une occasion de Cavani sur le poteau, sur une passe de Neymar. Après, il y a eu une belle occasion aussi des Parisiens aussi. C'est Neymar qui encourage de la surface. Voilà. Et après, sur une belle passe je crois, à la 74e minute, sur une belle passe de Neymar, qui donne à Meunier, frappe à Rakitić du droit. Mais le 2-1, le deuxième but parisien, 2 buts à 1. Et après, des changements tactiques de Thomas Tuchel, qui fait rentrer Choupo-Moting, son deuxième match. Deuxième match de ce nouveau joueur qui pour l'instant, il a l'air plutôt bien. J'ai vu contre le match de Liverpool, des bons contrôles de la tête, tout ça. Voilà. Et Choupo-Moting, je crois, à la 84e minute, ouvre. Mais le break, quoi, le 3 buts à 1, 3 buts à 1. Après, score final, mes amis, 3 buts à 1. Je suis content, je suis content, je suis content. Le prochain match sera le Stade Rennais au Parc des Princes. Encore pas de Kylian Mbappé qui fait son troisième match suspendu. Il sera pas là. Et voilà, content de mon équipe. Voilà, si, voilà, maintenant, attends, 15, 16, 17, 18, on a 18 points déjà. Voilà, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Voilà, ça me rassure hein, avec le match de la Ligue des Champions. Voilà, mais faut pas oublier que c'était en Anfield à Liverpool. À Liverpool, comme je dis, c'est très 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 dur de gagner là-bas. Voilà, mais ben voilà, je suis content. On a vu aussi Tamer Ben Arfa aussi, l'ancien Parisien, qui a joué avec Rennes. Voilà, hommage à Tamer Ben Arfa. J'étais un peu déçu quand même. Pourquoi il n'a pas fait jouer tout ça. Mais c'est voilà, j'aimais bien comme un Tamer Ben Arfa, mais voilà, c'est l'histoire quoi, c'est l'histoire du foot, voilà. Bon, mes amis, hein, je vais vous laisser. Et il y aura la collection PS3, ça sera mardi, mes amis. Je ferai la vidéo mardi à l'après-midi, quoi. Ce sera ça. Voilà, il y aura ma collection de 250 jeux PS3. Voilà, ils sont là-bas. Là-bas. Oh, dans la télé, c'est juste les journalistes, là. Voilà. Bon, mes amis, hein, je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner des commentaires.
voilà, partagez comme vous voulez, quoi. Puis je vous remercie à tous mes abonnés. Là, j'ai vu, là, j'ai 771 abonnés. Je vous remercie à tout le monde aussi, encore une fois. Voilà. Et puis à 800 abonnés, il y aura une FAQ. Une FAQ, voilà. À 800 abonnés, il y aura une FAQ. Je ferai ça si j'atteins ce stat-là de 800 abonnés. Voilà. Ce sera dans une future vidéo. Voilà. Bon, les amis, hein, je vous laisse et je vous dis ciao. Bye.